Allez, tiens, pour ne pas changer, on va dire, enfin, ou presque, encore un peu de mécanique sur un moteur Yamaha, mais là, par contre, on va quand même changer un petit peu, et c'est plus un 90 chevaux, c'est un 60 chevaux. Alors, un 60 chevaux, modèle 6C5, qui est assez récent. Et puis, en fait, pendant que j'étais pas là, eh ben, il y a les même mécano avec les gros guillemets, qu'on fait bah, des conneries, quoi. Et puis, le moteur, il a tourné apparemment sans huile. Alors, je vais dépouiller ça et puis voir les dégâts que j'ai dedans. Et puis, je vais voir aussi, surtout, si je peux pirater des pièces sur celui-là, qui est un modèle 69W. Donc là, c'est pas un injection, c'est un calbut. On voit les calbuts qui sont là. Et petit souci quand même que j'ai. Donc là, c'est un 69W de juillet 2002. Et c'est un modèle F60 TJRB. Le seul souci, donc, et là, celui-là, celui que je veux refaire, c'est un 6C5, c'est un F60 JB, qui est de quelle année? De 2013. Le souci, c'est que moi, sur les données que j'ai, donc 07-2002, ça veut dire que normalement, c'est un modèle 2003, TJRB. Pour moi, les TJRB, normalement, c'est déjà une injection. Donc, le modèle 69W, le dernier modèle le 69W, il a été fait en 2002, normalement, début 2002, et qui sera un F60 TLRB? Non, TLRA? Ouais, je m'en souviens plus. Mais donc, le modèle 69W que j'ai là-bas, c'est un modèle qui est entre les deux, en fait, entre les deux modèles. Et puis, a priori, j'ai des pièces qui sont du modèle 69W et des pièces qui sont du modèle 6C5. Donc, et là, c'est le 6C5 que je veux refaire. Donc, je vais voir si je pourrais pirater des pièces sur l'autre. Bon, de toute façon, sur mon modèle 6C5 qui est là, étant donné qu'il va falloir que je démonte la tête motrice et puis que je sorte le carter de bas moteur pour voir s'il y a des dégâts au niveau du vilebrequin et des pieds de bielle et des coussinets de bielle, il va falloir aussi que je vois s'il y a des problème au niveau des cylindres, au niveau des pistons, au niveau des segments, au niveau des arbres à cames et des soupapes. Donc ça veut dire à peu près quand même démontage de la totalité. Donc voilà, allez, je m'occupe de ça. Dépouillage de tout ça. Bon, je commence à y voir un peu plus clair là-dessus. Donc j'ai quand même quasiment tout enlevé. Il me reste encore à sortir mon volant magnétique et puis ma magnéto dessous et puis mon plateau avec mon capteur. Avant de les sortir, bien sûr, je vais caler ma distribution sur le point mort haut du cylindre 1. Et puis avant de défaire ça aussi, je desserrerai ma vis qui tient ma roue d'entraînement d'arbre à cames. Quoi dire? Ça, de toute façon, il n'y a rien de spécifique. Vous remarquerez que j'ai remis un maximum en tout cas de vis en place sur mon moteur. Là, c'est pareil, j'enlève un minimum de choses. Donc là, j'ai sorti directement le gros support alu qui maintient tout le faisceau et puis tout ça. Donc là, je suis feignant, hein, comme ça, j'ai pas besoin de démonter tout ça. Seule petite chose, il faut quand même sortir le calculateur parce qu'il y a une petite vis derrière, enfin un écrou
qui est celui-là derrière le calculateur. Celui-là, il est accessible en dessous l'admission. Et puis cette vis-là, par contre, elle est accessible qu'une fois qu'on enlève le relais de trim. Là, maintenant que j'ai viré tout ça, je vais pouvoir enlever ma petite vis qui est là. Et puis de l'autre côté, pareil. Et sortir mon cache de pied et pour accéder aux vis qui maintiennent ma tête motrice en place. J'ai même laissé le régulateur après son câble, le câble qui vient de la magnéto. Voilà, donc le moins de choses on enlève, le moins on risque de se planter au niveau du remontage. Et puis quand on remet toutes les vis dessus au fur et à mesure, et ben comme ça au moins on risque pas de se tromper. Et donc regardez, donc là bon, j'ai toute ma caisse avec tout mon faisceau, ma VST, mon papillon d'admission, mon collecteur d'admission, ma pompe à essence, mes bobines, etc. Et comme pièce que j'ai en dehors, voilà, j'ai ça. Donc c'est quand même pas énorme, hein. J'ai les deux petits pions de centrage ici et ici là, qui sont pour le collecteur d'admission. Ça c'est le petit caoutchouc qui vient là, parce que sur ce côté là, je vais me reculer un petit peu là. Voilà, le trou là qu'on voit sur le côté, ici, juste là, c'est fait pour accéder à la vis du collecteur d'admission qui est derrière. Regardez-vous, je passe mon Didi. Ça c'est la petite plaque support pour le petit filtre en fait au niveau de la ligne d'essence. Donc vous voyez que j'ai quasiment rien en fait qui est à part de mon moteur. Donc comme ça, bah, c'est évite que je me trompe. Allez, je vais caler mon admission, débloquer tout ça et démonter tout ça et puis virer la tête motrice. Allez, là j'ai enlevé mon volant magnétique et puis ma magnéto. Là, le calage de la distribution, ça se fait. Je vais essayer de zoomer plutôt que de me rapprocher. Voilà, on voit le petit cran qui est là, qui est en face la flèche. Et ici, on a aussi une petite flèche là, et on a des repères sur notre roue d'arbre à cam. Je vais dézoomer, et là, c'est bien marqué le cylindre 1. Bon, pour sortir la tête motrice, on a besoin, donc là, une fois que le cache il est enlevé, on a besoin d'enlever les deux fois quatre vis qui sont là sur le devant. Une ici, une ici, une ici et une ici. Les deux qui sont sur l'arrière, ce sera à défaire. Hop là, là, les deux qui sont sur l'arrière ici seront à défaire pour sortir la partie supérieure ici de notre cache. Mais pour sortir la tête motrice, juste les quatre de devant et les mêmes de l'autre côté. Bon, on voit ici que apparemment j'avais des petites fuites d'huile aussi. Bon, ça peut être dû à puisque c'est sale aussi là sur le devant ici, c'est gras, donc c'est possible que ça coulait par là. C'est aussi possible que ce joint là soit à refaire. Donc ça, de toute façon, je verrai bien une fois que j'aurai tout démonté. Quand on inspecte bien les surfaces de joints, on arrive à voir où en fait les joints ne portaient pas comme il faut, puisqu'on voit qu'il y a un petit défaut d'étanchéité à ce niveau-là. On voit des surfaces grasses ou mouillées si on a des fuites d'eau. Bon allez, moi je continue ça, je vais tomber la tête motrice, je vais la sortir. Petit problème quand même, c'est que sur ces modèles 6C5, l'anneau de devant, il est sur le gros support aluminium qu'on a là. Donc là, j'en ai simplement un qui est sur la culasse. Mais bon, l'avantage, c'est que sur les 6C5, là, la tête motrice, elle est pas très très lourde. Donc je ne vais pas avoir besoin de me servir de mes palans ici, mes palans à chaîne. Donc là, juste à la main, ça devrait pouvoir se faire. Je ne sais pas combien ça fait, peut-être une trentaine de kilos, quelque chose comme ça. À vue de nez, hein. Bon, ben voilà, ma tête motrice, elle est posée sur mon établi.
Par quoi je commence? Ben, je vais commencer par démonter le cache arbre-à-cam pour vérifier, pour voir, enfin, voilà, voir comment est mon arbre-à-cam à l'intérieur. Et puis après, ben, peut-être la culasse pour voir si mes chemises ou mes cylindres sont touchés. Et puis peut-être en dernier la partie basse du carter pour voir si mon vilebrequin et puis si mes pieds de bielle y sont touchés. Bon, allez, c'est parti. Bon, après quelques instants, tout est ouvert. Bon, j'ai ma culasse qui est là. Là, j'ai pas encore sorti ma tige de poussoir plus mon arbre-à-cam qui est dessous. J'ai juste inspecté comme ça un tout petit peu. Là, on n'a pas de jeu au niveau des poussoirs. J'ai pas de marque sur les portées des arbre-à-cam. Bon, ça, c'est quand même quelque chose que je vais regarder de plus près après. Ici, j'ai regardé dans mes cylindres. Donc en les faisant bouger de haut en bas, et puis j'ai pas de marque à l'intérieur de mes cylindres. Donc sur la partie bas du carter, donc là j'ai mon bas carter qui est déposé. Au niveau de mes paliers ici, j'ai pas de problème. J'ai pas de marque dessus, rien du tout, ça paraît tout à fait bien. Au niveau de mes portées sur mon vilebrequin, ici, 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 ici et en bas, là, c'est pareil, j'ai pas de marque dessus. Par contre, parce qu'il y a quand même un petit hic, c'est que j'ai un tout petit peu de jeu dans la bielle du numéro 1 et un peu plus de jeu dans la bielle du numéro 2. Le 3 et le 4 n'ont pas de jeu. Et puis si on regarde un peu sur le côté, on voit, je vais le tourner un peu, hop, si j'y arrive d'une seule main. Hein. Alors, allez, viens là. Voilà. Là, on voit... si on compare la couleur entre la bosse numéro 3 et puis la bosse numéro 2, là on voit bien que ça a chauffé un petit peu. Donc, et là j'ai pas de jeu ni en latéral ni en longitudinal. J'ai pas de jeu non plus sur le 4, mais j'ai du jeu. Là j'espère qu'on va voir. Voilà, j'ai un peu de jeu en latéral. Et aussi en longitudinal. Et puis j'ai un tout petit peu de jeu aussi sur la bielle numéro 1, mais un petit peu moins. Donc bah, ça veut dire qu'il faut que je dépose les bielles. Je vais laisser mes pistons à l'intérieur de mes chambres, comme ça évitera que j'ai besoin de recompresser mes segments pour les remettre en place, etc. Parce que j'ai pas d'outils pour faire ça, il faudrait que je bidouille, mais enfin bref, je vais sortir le chapeau de la bielle, je crois que au pied de bielle, et puis voir comment c'est à l'intérieur. Mais bon, j'ai quand même bien l'impression que c'est le palier qui a morflé à ce niveau là. Ce que je ferai aussi, c'est que bon, je vais démonter tout ça pour inspecter pour de vrai. Je pense que ça, il n'y a pas de souci. Donc, la petite difficulté qu'on a là-dessus pour sortir les bielles, c'est que c'est du 8 mm, mais en 12 pans. Donc, j'ai une clé à œil qui est elle en 12 pans. Et puis, j'ai trouvé une petite douille aussi qui est en 12 pans. Donc je vais démonter ça et voir ça de plus près. Bon, nous y voilà. J'ai mon vilebrequin qui est à part. J'ai mes coussinets et mes chapeaux qui sont sortis. Et puis là, j'ai mes bielles qui sont là. Alors on va commencer par celle de tout en bas. Donc, on va éteindre la petite lampe. Donc ça, c'est la numéro 4. Et ici, j'ai pas de souci. On voit que là, j'ai le coussinet qui est toujours en place. Et mon coussinet, il est intact. De même que sur
l'autre partie ici, j'ai mon coussinet qui est intact. Bon, par contre, alors, cylindre numéro 1, j'avais un petit peu de jeu. Là, on voit que ça a un peu chauffé. Et puis, si on regarde les coussinets, là, on voit que c'est quand même un petit peu abîmé. Hein. Et si on regarde le numéro 2, qui était le qui avait le plus de jeu, on dirait qu'il a moins chauffé, mais en fait, c'est qu'il a usiné, donc il est marqué ici. Et regardez là le coussinet, ce qu'il en reste, hop, comme ça, voilà, il manque carrément des morceaux. Ça nous fait une lèvre sur l'extérieur. Donc ça, c'est complètement mort. Au niveau du numéro 3, j'avais pas de jeu, mais on voit aussi que c'est noir, ça a chauffé un peu. Lui, il est pas marqué, mais j'ai quand même mes coussinets qui sont marqués un petit peu à l'intérieur. Et puis, si on regarde sur le vilebrequin directement, donc là j'ai le numéro 4 qui est parfait, j'ai pas une seule marque ni rien du tout. Le numéro 3, il est un petit peu rayé, le numéro 2, il est rayé, et le numéro 1, il est rayé aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire changement du vilebrequin. Changement des bielles, donc au moins la bielle numéro 2, puisqu'elle est rayée en fait au niveau du pied de bielle, et changement des coussinets. Donc, ce que je vais voir, comme je disais dans l'introduction, là j'ai un moteur qui est la génération d'avant ça, donc là c'est un 6C5 à injection, et puis j'ai un modèle qui est un 69W qui est juste avant ce modèle là. Et en fait, si on regarde sur les têtes de piston sont estampillées 69W. J'ai étudié les synoptiques et apparemment, donc on n'a plus la même référence de pièces pour le vilebrequin du 6C5 et le vilebrequin du 69W. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas monter à la place, surtout si je prends en fait tout l'ensemble mobile du 69W. Donc si je prends le vilebrequin, les bielles, les coussinets. Donc maintenant c'est ce que je vais faire, donc je vais dépouiller complètement le 69W, donc là ça va être la même chose que ça, hein, de tout démonter, et puis prendre quelques cotes et puis voir si je peux le monter à la place. Parce que pour moi, la saison elle est presque terminée, et là c'est un moteur qu'ils ont cassé en 2020, pendant 2021 pendant que j'étais pas là, puisque le mécano avait pas serré le bouchon d'huile, hein. Donc ça, voilà ce qui se passe. Défaut de lubrification et puis destruction des coussinets et puis du vilebrequin et puis des bielles. Allez, j'ai pas mal de taf pour désosser tout l'autre moteur. Bon, ici j'ai mon moteur 69W que j'ai commencé. Regardez, hop, 69W. Que j'ai commencé à complètement dépouiller pour voir si je peux prendre le vilebrequin avec les bielles. Ici c'est mon moteur 6C5, c'est marqué sur le joint de culasse. Ici là j'ai mon bloc moteur de 6C5 et puis on va pas voir grand chose, un petit peu de lumière. Donc j'ai mon vilebrequin 6C5, voilà, 6C5X0, et donc j'ai ouvert mon 69W, et là, qu'est-ce que je vois? Regardez ici, avec un peu de lumière aussi, qu'est-ce que c'est marqué là? 6C5. Donc, c'est quand même bon signe. Si ma pièce elle est marquée 6C5 pour un relais sur un 6C5 alors que c'est un 69W, c'est plutôt bon signe. Bon, ça s'explique en tant que le 6C5 c'est une évolution du 69W, et puis en plus là
Le moteur que j'ai là, le 69W, là, c'est la dernière année, c'est l'année de transition en fait entre le 69W et le 665. Et donc, je me doutais un petit peu qu'il y avait des pièces qui étaient un mélange des deux. On a vu, je ne sais pas si je l'avais montré, mais sur le bloc du 665, par exemple, sur les têtes de piston, je crois que je ne l'ai pas montré. Mais les têtes de piston, c'est des pistons de 69W. Ils sont estampillés 69W. Bon, mais là, on voit, je ne veux pas aller chercher ça. Mais donc, souvent sur les évolutions de moteur, sur les 100 chevaux, comme j'ai déjà montré pas mal de fois, les 6D8, c'est des évolutions du 67F. Donc, sur les 6D8, vous avez plein de pièces pour qui viennent du 67F directement. Donc, de même, là, sur le 6C5, vous avez pas mal de pièces qui viennent directement du 69W. Donc, bah là, je vais sortir mon vilebrequin avec mes bielles et mes pistons. Et puis, je vais quand même comparer avec mon autre vilebrequin qui vient du 6C5, le modèle X0. Et puis, si mes comparaisons sont bonnes, eh ben, je vais mettre directement dans l'autre bloc moteur. Bon, j'espère que je vous ai pas trop perdu dans mes 6C5, 6D8, 69W, 67F, etc. Avant de monter mon vilebrequin en fait dans mon carter, il y a quand même une chose à vérifier, c'est que sur le côté du carter, on voit, est-ce que je vais réussir à vous illuminer ça sans éblouir? Juste ici, en fait, il y a des repères. Il y a 2, 4, 5, 5 lettres qui sont marquées ici. Et sur le vilebrequin, sur chaque partie, voilà, là on voit que c'est marqué AA. Et donc sur chaque palier, en fait, ici, donc 1, 2, 3, 4 et 5, j'ai des marquages. C'est marqué A, B ou C sur, sur ce vilebrequin. Alors, suivant en fait ce que c'est marqué, il faut faire la relation entre ce qu'il y a de marqué sur le carter et ce qu'il y a de marqué sur le vilebrequin. Et ensuite, il faut se référer à la notice technique ici. Et là, on voit que si sur le carter c'est marqué B et que sur le vilebrequin c'est marqué A, il nous faut cette référence de coussinet. Il y a quatre tailles de coussinet différents en fait. C'est juste l'épaisseur hein, qui joue. Donc suivant l'usinage qui a été fait sur place. Là, moi, la bonne chose, c'est que sur mes deux carters, c'est les mêmes marquages. Donc, et sur mes vilebrequins, c'est aussi les mêmes marquages sur l'un comme l'autre des vilebrequins. Donc là, j'ai pas besoin de me poser la question de savoir s'il faut que je change les coussinets de portée du vilebrequin, puisque les deux moteurs sont identiques. J'ai un B sur l'ancien moteur, j'ai un B sur le nouveau moteur qui correspond à un A sur le nouveau vilebrequin qui correspond à un A sur l'ancien vilebrequin. Donc ça, il y a pas, j'ai pas de souci à ce niveau-là, je peux garder les coussinets qui viennent sur mon ancien moteur puisque les coussinets du vilebrequin, eux, n'ont pas été touchés par le manque d'huile. J'ai juste quelques coussinets au niveau des bielles qui ont souffert. Les bielles, je vais les changer. Donc là, c'est mon ancien vilebrequin, ancien piston. Nouveau vilebrequin, nouveau piston. Je vais mettre les nouveaux pistons avec le nouveau vilebrequin sur l'ancien moteur. Donc comme ça, je n'ai pas besoin de faire la relation aussi des coussinets de bielles avec le vilebrequin. Parce que ça, c'est pareil. Donc il y a comme il y avait en fait
pour ici pour le vilebrequin, oui, il y a la même chose pour les références de coussinets pour les bielles. Sauf que sur les bielles, c'est marqué 1 ou 2 ou 3, donc en chiffres romains. Et là, j'ai pas besoin de m'occuper de ça, puisque là, c'est des bielles qui viennent avec le vilebrequin que je vais complètement changer. Je change l'ensemble, vilebrequin plus bielle et piston. Comme ça, j'ai pas de soucis et j'ai pas besoin de me dépatouiller à trouver des coussinets de bielle ou intervertir les coussinets de bielle. Bon, petite particularité quand même. Là, donc je suis en train de remettre mes pistons à l'intérieur des chambres. Donc on met ça par le haut, en bas on peut pas les mettre, hein, bien sûr. Et comment je fais ça, puisque là j'ai pas d'outil qui vient compresser les segments, je viens tout simplement appliquer de la pression dessus comme ça, ici, et bon, évidemment là avec une seule main en tenant la caméra de l'autre côté je peux pas, mais en appliquant de la pression je prends un tournevis et je viens délicatement pousser partout tout autour sur mon segment, tout en maintenant la pression sur le haut. Et donc comme ça, ça va en poussant avec le tournevis, le segment va légèrement coincer à l'intérieur de sa gorge, et quand il sera rentré partout, eh ben, le piston il va descendre en appui sur l'autre segment. Donc il y a juste à faire ça pour les trois segments. Alors il faut y aller mollo, il faut mettre une pression suffisante pour que ça maintienne en fait le segment à l'intérieur, mais parfois faut pas mettre une pression trop forte qui pourrait casser le segment ou l'endommager. Et avant ça, bien sûr, il faut mettre les ouvertures des segments dans la position correcte. Là ils mettent donc décalé de 120 degrés, hein. Donc un tiers de chaque côté, hein. Un tour complet c'est 360 divisé par 3, ça fait 120. Bon, pour ceux qui savent pas compter, donc en premier, positionner les segments comme il faut sur sa tête de piston. Légère pression, pousser sur le côté avec un tournevis, et puis ça descend tout seul, enfin presque tout seul. Ça, c'est quand on n'a pas l'outil qui va bien pour serrer les segments. Voilà. Au niveau du remontage, donc là, on voit bien là que j'ai mes bielles ici, 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 là, hop. Au niveau à l'intérieur, mes pistons donc sont dedans. Avant de remonter, il faut bien s'assurer là sur les paliers de vilebrequin que le trou qu'on voit là, qui est le trou de passage d'huile, il est bien en face du passage d'huile. Il faut regarder ça partout, ici, ici, ici et aussi en bas. Sur les bielles, ça, il n'y a pas de trou comme ça. Mais au niveau du vilebrequin, il faut bien faire attention à ça. Et puis, chose importante aussi, quand on est au niveau du remontage, on vient mettre un peu d'huile moteur directement au niveau du palier, enfin, ou du coussinet. Coussinet et palier, oui. Donc, on vient mettre un petit peu d'huile moteur pour que ce ne soit pas monté à sec, tout ça. Donc là, maintenant, je vais venir placer mon vilebrequin dedans. Va aligner bien sûr mes bielles au fur et à mesure. La 2 par exemple, elle va de ce côté là, la 1 et la 4 elles sont de l'autre côté, la 2 et la 3 par là, et puis donc même chose là, je vais positionner ça dessus, et puis avant de mettre mes chapeaux de bielles, eh ben, je vais venir sur les paliers en fait ici mettre un peu d'huile moteur. Allez, il est temps de réaccoupler mes deux parties. Donc tout ça, c'est en place, c'est serré au couple. Le couple, je le sais en pied livre, mais pas en mètre kilo. Où est-ce que c'est ça? Où est-ce que c'est 14.
Voilà, 14 mètres kilo. C'est-à-dire, c'est vraiment en bas de la clé dynamo normale, hein, quand même, hein, pour serrer les vis de chapeau de bielle. Donc ça, c'est serré au couple. Super attention de bien faire ça. Là, mes plans de joint sont nettoyés et dégraissés. Alors, avec quoi je dégraisse? Bah, tout simplement avec de l'essence. Attention, essence pure, pas du mélange. Il faut que nos surfaces soient dégraissées. Donc, à l'essence, je gratte avec mon petit grattoir comme ça, ou alors avec mes deux petites lames, une pour gratter à droite, une pour gratter à gauche. Hop, tiens, on va mettre ça là. Et donc, gratter d'abord, nettoyer à l'essence et sécher avec un petit papier qui est non pelucheux, donc pour avoir une surface qui est parfaitement nette et dégraissée. Ensuite, ben, je prends ça, ma pâte à joint. Ici, la plupart du temps, j'utilise, là, c'est de la Prématex, oui, c'est ça, ouais, qu'ils appellent RTV. RTV, c'est pour Room Temperature Vulcanization. Donc, c'est un silicone qui vulcanise à température ambiante. Ça, quand on regarde la notice de ça, donc on vous dit qu'il faut dégraisser les surfaces, etc. Il faut appliquer un petit cordon, mettre en place, serrer à la main, attendre une heure et serrer au couple. Et on vous dit aussi que les RTV, donc tous les silicones RTV, bon, là, il y a le chien des voisins qui gueule, il a faim, hein. Les gens ils sont abrutis là-bas, ils ne s'occupent pas de leur chien. Ils vous disent aussi que les silicones RTV, on ne doit pas en mettre sur les jointures, puisque le RTV, en fait, il n'est pas, l'essence va attaquer le RTV. Bon, j'ai déjà réparé des joints de culasse avec ça, j'en ai qui tournent encore, que j'ai réparé il y a 4 ou 5 ans, et qui ont environ 1000 heures de plus, et qui fonctionnent encore, parce que j'avais que ça. Mais on vous conseille quand même, pour les joints de culasse, d'utiliser un silicone au solvant. C'est-à-dire, c'est des... On va essayer de me mettre un peu plus loin, parce que le chien il commence à me gaver. Donc des silicones qui ont un solvant et qui vont vulcaniser en fait une fois que le solvant sera dissipé. Donc ça c'est si vous avez, bah, maintenant il y a un avion. Je vais y arriver à faire ma vidéo, hein. Bon, après les interruptions de chiens et puis d'avion. Donc je disais, sur les joints de culasse, normalement pas de RTV puisque c'est pas fait pour ça. Il faut mettre des joints silicone au solvant. Le souci, c'est que moi, là, ici, la plupart du temps, j'ai pas 50 000 trucs. Et puis, si je veux commander, même à Anchorage, un paquet de joints, enfin, un tube de joint au solvant, un tube de joint silicone au solvant, bah, ça va mettre au moins une semaine pour arriver. Et puis généralement, moi, ce que je fais sur les bateaux, c'est un peu en urgence. Donc, j'ai fait des joints de culasse avec le RTV normal et ça tient toujours. Mais si vous avez le choix, faites comme le fabricant il vous dit. Vous prenez des silicones au solvant pour faire les joints de culasse et vous prenez des RTV pour faire le reste. Bon, alors... Moi, comment je fais? Je fais pas un cordon, enfin, je fais un petit cordon, mais je viens l'étaler. Ouvrir déjà, hop. Là, sur ma pièce ici, je vais prendre, hop, mon silicone, hop, un petit peu sur le doigt, et je vais venir mettre partout sur ma surface, comme ça. En étalant, d'accord, on va se nettoyer le doigt parce que sinon je vais en foutre partout.
Donc il y a des gens qui vont vous dire « Oui, c'est pas comme ce qu'on fait, on doit mettre un cordon de plus ou moins de tant de millimètres, blablabli, blablabla. » Bon, il y a des gens qui vont dire que l'étaler au doigt, ça peut créer des bulles d'air, etc., etc., etc. Il y a certains fabricants qui vous disent de mettre juste un cordon, puis il y en a d'autres qui vont vous dire de mettre un cordon et d'étaler avec un petit outil ou à la main. Donc moi je fais ça systématiquement, j'étale au doigt et j'ai pas de soucis. Et puis comme ça au moins j'en mets pas des quantités astronomiques. Et parce que le piège qu'il y a avec tous ces silicones comme ça qu'on vient mettre la pâte à joie en fait, c'est que si vous en mettez beaucoup trop, bon bah ça dégueule à l'extérieur. À la limite c'est juste un peu esthétique. Mais faut pas oublier que ça dégueule aussi à l'intérieur, de la même façon que ça dégueule à l'extérieur. Et puis si vous avez la moitié d'un tube qui est à l'extérieur de votre moteur, et bien l'autre moitié du tube il sera à l'intérieur de votre moteur. Il va boucher les passages d'huile, il va boucher la crépine de pompe à huile, etc. Donc il faut en mettre de manière raisonnée et, ou raisonnable, et puis ne pas en mettre une trop grosse quantité. Voilà, un aparté assez important sur cette pâte à joint. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai fini de mettre ma pâte à joint. Petite précision quand même, on voit qu'en bout de vilebrequin, j'ai des joints d'étanchéité ici et ici. Je mets quand même dans ma gorge, je mets du silicone, parce qu'il arrive avec l'âge que ces joints se rétractent un petit peu et que ça fuit par ici. Bon, j'en mets simplement, donc ma surface là, j'en mets que d'un côté, je ne mets pas de l'autre. Hein. Là, tout ça, ça suffit. Normalement, c'est monté d'origine avec une petite pâte aussi. Il n'y a pas de joint papier, là, c'est tout à fait normal. Allez hop, ça dessus, pas oublier de huiler les paliers ici, que je veux pas huiler de ce côté là parce que sinon ça va couler quand je vais le retourner, mais mes paliers ici sont huilés, j'ai plus qu'à fermer ensemble. Et maintenant que ma tête motrice elle est toute jointée, rafistolée et remontée, etc., je m'attaque au pied. Il est plus là le pied, il est par terre, un pied par terre. Alors, bon, pour sortir le pied du support, c'est pas très compliqué, hein, c'est comme sur les autres modèles, en fait, on a deux écrous en haut à enlever et puis la partie en bas à défaire. Ensuite, donc, j'ai mon pied complet ici. Pour sortir la partie supérieure ici, puisque je vais avoir besoin de refaire les joints intermédiaires, pour défaire ça, donc on avait déjà nos quatre vis devant qui étaient enlevés. J'ai donc quatre vis de chaque côté. Et derrière, j'ai encore deux vis qui tiennent ça. Mais c'est pas tout, il y en a aussi à l'intérieur. Donc on doit défaire les vis qui sont en bas, sortir toute cette partie-là. Une fois qu'on a démonté l'ensemble, là, donc il est à l'envers, on a notre tube de montée d'eau à enlever, notre tube d'échappement, on a une, deux et trois vis à enlever, hop, c'est magique, hein, moi, elle s'enlève toute seule. J'ai encore trois vis sur ma plaque intermédiaire à enlever, on enlève ça. Ça c'est, on a des centreurs, vous voyez, ici là, quand on a coincé un petit peu, puis les joints ils peuvent être un peu collés. Et puis on a aussi notre tube intermédiaire d'échappement qui est là, avec trois vis qui sont au fond. Et hop là, regardez, magique, et hop, mes vis elles sont là. Bon, j'en ai une qui vient de tomber dans le fond, c'est pas grave. Parce que ça, donc une fois qu'on a enlevé ce tube là, avec les marquages sur l'arrière du moteur, à ce moment là, on peut, voilà, sortir ça, et pas avant. Donc faut pas les oublier, puis faut pas essayer de taper comme un sauvage sur les bords, ça viendra pas, hein. Quand il y a encore trois vis comme ça qui tiennent, ça vient pas tout seul. Bon ben maintenant il me reste plus qu'à faire le nettoyage de tout ça.
J'en suis au nettoyage des pièces et puis je voulais vous faire voir quelque chose quand même. Donc là, c'est la partie intermédiaire, donc c'est la partie qui est juste sous la tête motrice. Et là-dessus, on a de monter cette petite pièce en aluminium et la crépine d'aspiration d'huile. Donc là, on n'a rien en bout, donc ça va en bas dans le carter d'huile. Mais on a... on va voir ici, peut-être, je vais mettre un peu à la lumière. Voilà, on voit le petit tamis, donc il y a un tamis qui est à l'intérieur. Alors, normalement, ça peut s'ouvrir. On a des petits clips, un de ce côté-là et un de ce côté-là. Le problème, c'est que le plastique étant vieux, je ne vais pas essayer de l'ouvrir et puis de le casser, parce que j'en aurai pas d'autre et je ne pourrai pas remonter mon moteur. Donc, ça, je vais laisser comme ça, mais ça, j'y fais un nettoyage scrupuleux. En y balançant de l'essence, parce que je nettoie tout en fait avec de l'essence, hein, de la vieille essence, j'envoie de l'essence par le haut pour que ça sorte par le bas. Et regardez tout ce qu'on peut sortir là. Mon moteur, il avait tourné sans huile, et puis on a bien vu que les coussinets de bière étaient tout bouffés. Les coussinets de bière, ils se retrouvent ici, là, toutes nos petites paillettes là. C'est des morceaux de moteur, c'est des morceaux de coussinets de bielle qui nagent dans l'huile. Donc, surtout si vous avez un problème comme ça, où vous avez le moteur qui a tourné sans huile et puis que vous avez des dommages à l'intérieur, il faut obligatoirement démonter tous les carters et tout bien nettoyer, parce que sinon, dans l'huile, vous allez encore avoir quelques petites particules de métal qui vont se balader. Alors, même si vous vidangez le moteur, ça enlève pas tout. On a la possibilité de vidanger le moteur, d'envoyer de l'essence par le trou de remplissage, etc., etc., etc. Mais ça enlève pas tout. Tous les petits copeaux métalliques, en fait, ils vont se retrouver dans la partie basse. Il y a très peu de chances que ça reste en fait au niveau haut du moteur, mais ça va tout descendre dans le carter d'huile. Puis après, quand ça barbote, ça envoie l'huile, mais ça laisse les copeaux au pied. Donc, c'est obligatoire d'ouvrir tout ça, de nettoyer son carter d'huile très scrupuleusement et de nettoyer la crépine d'aspiration, etc. Et puis tous les petits passages pour qu'on n'ait pas des copeaux comme ça. Parce que des copeaux comme ça, ils sont quand même assez gros. Il y a des copeaux qui font au moins 1 mm de côté. Alors c'est juste un petit flocon en fait, hein. C'est pas un cube d'1 mm de côté, mais un petit copeau de métal comme ça, si ça vient arriver à se mettre entre deux pièces qui fonctionnent normalement avec un jeu assez serré, ça peut vous poser des problèmes. Donc tout ça à nettoyer scrupuleusement. Scrupuleux, c'est un mot qu'il faut toujours employer quand on fait de la mécanique comme ça. Voilà, c'est simple. Il faut être scrupuleux, méticuleux et pointilleux, enfin les trucs en E quoi. Ça y est, la tête motrice est remontée sur le pied, sur l'ensemble. Pied plus étrier. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à farfouiller dans ma caisse là et à tout remonter là-dessus. Alors, le gros avantage de laisser toutes les vis dessus comme ça, à chaque fois qu'on démonte quelque chose, ici, celle-là, va falloir que je la nettoie, je l'ai foutu sur un carton, puis hop. Donc, le gros avantage, c'est que on perd pas les vis et on sait où elles vont. Et puis, on n'a pas une caisse avec tout un tas de vis et puis qu'on ne sait plus du tout où ça va. Il arrive quand même quelques fois où on ne peut pas laisser les vis dessus, et donc à ce moment-là, moi je les mets dans une petite boîte, hein. Là, je les mets dans un truc comme ça. Là, c'est tout ce qui me reste de mon moteur à remonter, alors que j'ai encore quand même toute la caisse là, et puis toutes les vis elles sont dessus. Donc, quand je ne peux pas laisser les vis dessus, je les mets dans ma petite boîte ou dans un sachet, ou tout ce que vous voulez. Et puis, après, pour se repérer suivant les vis, où vont les vis,
En fait, la plupart du temps sur les moteurs, en tout cas c'est le cas sur Yamaha, et puis de mémoire c'est la même chose sur la plupart des moteurs hors bord, que ce soit Honda, Mercury, pour citer une partie des plus grands. La plupart du temps, sur une pièce, ou on va dire sur un plan de joint, ils utilisent les mêmes vis. Tout simplement pour des raisons d'économie d'inventaire, et puis aussi, bah, comme c'est monté à la machine, hein, une même machine qui met les 6 vis d'un coup, par exemple, c'est facile. Ça pioche juste où il y a un distributeur avec les mêmes vis, et pop, 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 ça met tout. Et quand ça passe à un autre poste, et puis que ça met une autre pièce, ça met que 4 vis, et bien ça met 4 vis qui sont identiques entre elles, mais qui ne sont pas forcément identiques à la pièce ou le plan de joint d'avant, on va dire. Donc, bah, si vous ne savez plus exactement où est-ce que ça va, et ben, en fait, il suffit généralement de compter les vis que vous avez. Et puis, vous avez 7 trous, et puis, tiens, par chance, et ben, vous avez 7 vis qui sont exactement de la même longueur. Donc, c'est tout à fait possible que ça se mette à ce niveau-là. Je voulais dire autre chose aussi, mais je crois que j'ai oublié. Ouais, ça me revient. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, si vous tâtonnez un petit peu, eh ben, si vous avez peur de vous planter en fait au niveau du remontage, il y a une solution qui est assez simple. C'est de vous filmer ce que vous faites. Même sans les publier sur YouTube, comme je fais, hein, parce que moi, j'ai quand même, on va dire, j'ai un petit peu d'expérience, et puis je mets ces vidéos pour bah, vous aider, vous. Parce qu'en fait, moi, filmer ce que je fais, ça me retarde plus que ça m'aide, quand même, dans mon travail. Mais si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous faites, eh bien, filmez-vous. Filmez ce que vous faites. Tiens, je vais démonter la pompe à essence. Ah, j'ai 2 vis sur la pompe à essence. Je démonte ça. J'ai 3 vis là-dessus. Et puis, ben, en fait, après, quand vous avez terminé et puis que vous avez tout à remonter, eh ben, vous passez le film à l'envers et puis vous comprenez rien parce que ça fait. Bon, je déconne. Ça fait japper le chien de l'autre côté. Donc, vous reprenez donc le film que vous avez fait, et puis bah, comme ça, au moins, vous risquez pas trop de vous planter. Voilà. Bon, bah, moi, comme vous avez vu, hein, j'ai encore toute la caisse, là, celle-là, à remonter sur mon moteur. Donc là, c'est un moteur bah, qu'ils avaient cassé en 2021, quand j'étais pas là. Et puis c'est la première fois là en fait où bah, l'année dernière et puis cette année où j'ai eu le temps de refaire des moteurs. Donc là cette année quand même des moteurs, j'en ai refait 1, 2, 3, 4, ça c'est le cinquième. Plus tout le travail aussi que je fais à côté. Mais bon, il y a bah, le gros avantage de faire un bon hivernage de vos moteurs, c'est que ben après vous risquez d'avoir beaucoup moins de soucis. Donc l'année dernière j'étais là, j'ai fait un bon hivernage et puis j'ai fait une bonne préparation des bateaux, et puis comme ça ben, on n'a pas de bateau qui tombe en panne. Enfin, il y a toujours des petites choses, hein, mais c'est pas catastrophique. Donc là j'ai quand même eu le temps de refaire tous ces moteurs. Donc là, moi j'ai encore tout à remonter sur ce moteur 6C5, qui a des petites pièces à l'intérieur qui viennent d'un 69W qu'on n'utilisait plus du tout. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie. De toute façon, ça coûte rien. Hein. Et puis surtout à partager avec vos potes ou si vous avez une connaissance qui a un moteur hors bord et puis que ça pourrait aider. Voilà, allez, je vous laisse. J'ai encore plein de taf. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao!